La francophonie. La francophonie, avec un F minuscule, est l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. On compte actuellement près de 300 millions de locuteurs, répartis sur les 5 continents. Le français est en effet la 5e langue la plus utilisée au monde. Il faut toutefois distinguer les pays où le français est la langue officielle ou co-officielle et ceux où une grande partie de la population est francophone, mais le français n'est pas la langue de l'administration et de l'enseignement. C'est le cas, par exemple, de l'Algérie, qui, depuis son indépendance en 1962, a choisi la langue arabe. Parmi les premiers, 29 pays dans le monde entier, il y a de nombreux États africains, une conséquence de la colonisation française de la zone. Au cours des dernières décennies, les francophones ont pris conscience de l'existence d'une communauté linguistique propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel. La francophonie, avec un F majuscule, désigne l'ensemble de dispositifs institutionnels qui organisent les relations entre différents pays francophones. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, née en 1970, regroupe 84 États et se propose comme centre de coopération tant linguistique que culturelle et politique. D'autres organisations soutiennent l'enseignement de la langue française. Les Instituts culturels français, les Alliances françaises, la chaîne de télévision francophone TV5 Monde. Après l'anglais, le français est la 2e langue la plus apprise dans le monde.